Hello tout le monde, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Coucou ma petite Fafa, coucou Martine, coucou tout le monde. Comment allez-vous aujourd'hui? Est-ce que tout le monde est en forme? Bonjour Isabelle. Alors, dites-moi si vous m'entendez, si tout est ok. J'essaye d'avoir le retour en même temps. Toc, toc, toc. Alors, coucou Fabienne, comment ça va? Alors, ça s'affiche pas, c'est pas grave. Ah, tu m'entends, merci. C'est cool. Ok, coucou Viviane, ça va ma belle? Alors, hop, ça c'est nickel, je vous ai là. Bon, ça a l'air de le faire. Kikou Rachel, bonjour les scraps de Doom, bienvenue, bienvenue. Pascal Lou est attaché. Et j'espère que tu n'en profites pas trop pour lui faire des petites chatouilles. Bon, c'est pas gentil. Coucou Nicole, comment ça va? Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme aujourd'hui. Je suis très contente de vous retrouver en ce mercredi après-midi pour notre live hebdomadaire. Coucou Nathalie, j'espère que tout le monde est en forme, que vous êtes prêts et prêtes à passer un bon moment en ma compagnie. En tout cas, je croise les doigts, j'espère du fond du cœur que ce sera un agréable moment pour vous. Coucou Véronique, comment ça va? C'est chouette que tu sois en live aujourd'hui. Alors, avant qu'on démarre et que je vous donne plein d'infos, j'ai un petit service à vous demander. Vous savez, je vous le demande toutes les semaines, mais c'est aussi grâce à vous que je suis toujours là après 3 ans et demi passés. Oh là là, oui, 3 ans et demi passés. Voilà, si vous en avez envie, si vous êtes d'accord, eh bien je vous demande de bien vouloir partager cette vidéo pour inviter plein de monde avec nous à participer à la création de cette belle carte flèche. Je ne savais pas trop quoi lui donner comme nom, alors voilà. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir, c'est super facile à faire. C'est assez marrant et du coup, on peut même envisager de la faire en un format aussi plus petit. Ça peut se faire aussi, ça peut être sympa. Et puis vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Donc on va pouvoir passer un bon moment. Juste avant que je retourne ma caméra, je vous rappelle que je vous propose une vente flash. Alors il me reste quelques trousses, mais pas beaucoup. Une trousse spéciale adhésif. Alors, je vous offre la petite trousse, je vous offre aussi, je vous montre les petits cadeaux, je vous montre aussi, je vous offre aussi 2 plaques. Alors, c'est de la mousse 3D, mais elles sont lisses. En fait, ça peut vous permettre, par exemple, de découper des lettres en mousse 3D. Donc ça peut être sympa en 3D, tout simplement, plutôt qu'en mousse. Donc, c'est double face, et du coup, vous pouvez passer ça dans votre machine avec vos poinçons. Donc ça peut être super sympa. Donc pour tester, je vous en offre 2. Et du coup, la petite trousse, elle est là, estampillée Harmony Scrap, avec eh bien, les 5 adhésifs indispensables pour la scrapeuse ou le scrapeur. Voilà, donc les trousses sont de couleurs différentes. Et du coup, vous avez donc tout ça. Donc il m'en reste quelques-unes, vous pouvez encore vous inscrire si ça vous dit. Après le live ou pendant le live, vous me mettez un message en commentaire ou en privé et je vous envoie tout de suite le lien pour réserver ce petit kit, la petite trousse de survie spéciale adhésif. Alors, bon, on n'est pas beaucoup aujourd'hui, alors où est tout le monde? Vous profitez du soleil? Bah, faut dire qu'il fait super chaud aujourd'hui. Vous avez bien raison, profitez-en. Si vous me rejoignez en replay, n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires. Coucou Isabelle, bonne balade à toi. Voilà, voilà. Et je vous annonce aussi, peut-être que vous l'avez vu passer, que chaque mardi de 11h30 à midi, j'ouvrirai un Zoom
pour que vous puissiez venir me poser toutes les questions que vous pouvez avoir qui nécessitent une réponse de ma part sur l'utilisation d'un produit, sur mon activité ou juste pour papoter. Voilà, donc le Zoom est ouvert chaque mardi à 11h30. Le lien est partagé donc sur ma page, mais je peux aussi vous l'envoyer si vous ne le trouvez pas. J'espère eh bien en découvrir quelques-uns ou quelques-unes la semaine prochaine à l'occasion de ce Zoom. Alors, je vous propose que on change de caméra et on va pouvoir découvrir la carte d'aujourd'hui et donc la carte flèche. Alors, j'ai pris mon tapis de coupe pas beau parce que je vais couper avec mon super cutter de l'outil touche à tout qui est absolument magique, hein, vraiment, j'adore ça. Oh Marivane, il pleut chez vous, c'est pas cool ça. Nous on a un temps magnifique, ils annoncent genre là il fait genre 28, c'est trop bien. C'est l'été indien. Cette lame elle coupe incroyablement bien et vraiment c'est super chouette et super pratique. Vraiment, je regrette absolument pas de l'avoir acheté. À l'autre bout, on a une pointe super fine, plus que sur le premier outil, donc c'est vraiment très sympa. Et on a une sorte de petit crochet aussi de l'autre côté, donc pour attraper toutes sortes d'embellissements, c'est vraiment super pratique. Donc ça, c'est les nouveaux morceaux de l'outil touche à tout. Ma petite Fabienne, tu vas être surprise, tu vas voir, c'est pas du pliage. Coucou Claudine, comment ça va? Claudine, on va tester un nouveau truc aujourd'hui, vous allez voir. Sur le replay, je vous partagerai en fait différemment que sur mon blog. Je fais un test en ce moment. Quelque chose qui est un petit peu plus pratique pour vous, je l'espère. Et vous allez voir, voilà, Claudine, je t'enverrai le lien, enfin toutes celles qui voudront avoir le lien du replay pour la fiche technique, bah, il suffit de me le demander et puis vous verrez, ça va vous emmener ailleurs. J'espère que ça vous plaira. Coucou ma petite Danielle, c'est pas grave, profite de ton petit café, il n'y a pas de souci. Bonjour Jocelyne. Bonjour, bonjour. Alors, pour cette première version, j'ai utilisé la collection Fleurs Irrésistibles, qui est une collection disponible uniquement en ligne. Enfin, vous pouvez me passer vos commandes, bien sûr, mais en tout cas, ça veut dire que vous ne la trouvez pas sur le catalogue. Elle est magnifique, cette collection, et on l'a déjà oubliée, c'est trop dommage, mais elle est vraiment trop, trop belle. On a des tons de couleurs magnifiques, et puis on a la possibilité avec les poinçons de découper directement le papier ou les tamponnages, donc ça c'est chouette. Je vous envoie le reste de pluie, donc je n'en ai pas besoin, j'habite en Bretagne. Ah, je comprends, je ne connais pas la Bretagne et j'aimerais bien découvrir cette belle région. Coucou ma petite Cécilia, comment vas-tu? Je suis trop contente de vous voir toutes, c'est chouette. Ça me fait plaisir. Merci d'avance aussi de voir un café. Moi j'ai fini le mien. Avec ma petite tasse. Ah non, j'ai pas fini le mien, tiens. Il est plus très très chaud, je l'ai un petit peu oublié. Alors, donc Fleurs Irrésistibles pour cette collection. Et aujourd'hui, je vais travailler avec une collection destinée à Noël, normalement, mais que j'ai déjà détournée pour un anniversaire. Ça, c'est une collection du mini catalogue. J'attrape, si vous voyez le bazar que j'ai sur mon bureau, ça fait flipper. Regardez comme c'est beau toutes ces couleurs. C'est chouette, hein? Pour Noël, voilà, les belles guirlandes. Les belles guirlandes encore, les petits sapins. Moi, j'adore. Tellement coloré, ça fait du bien toutes ces couleurs. Donc c'est avec cette collection là que je vais travailler, qui s'appelle Noël en couleur. Et du coup ça sera pas sur Noël, et oui je vais utiliser avec ça un set de tampons qu'on a un petit peu oublié. Oh ma petite Cécilia, c'est bête ça, j'espère que ça va marcher un petit peu mieux. Je sais pas si c'est chez toi ou chez moi la connexion. J'espère que ça va pas trop planté
Alors, est-ce que... Toc. Peut-être que ça va aller mieux. Dans quelques instants, je modifie quelque chose sur mon réseau et peut-être que ça ira mieux. Là, vous avez l'impression de me perdre. Mais en fait, je suis toujours là. Alors, normalement, ça enregistre et ça devrait revenir. Voilà. Voilà. Normalement, vous me retrouvez et ça devrait être nickel. Voilà. Alors, et du coup, je disais que je vais donc coordonner le papier que je viens de vous montrer avec ce set de tampons Coucou Coccinelle que lui aussi, nous avons pas mal oublié et c'est trop bête parce qu'elle est trop mignonne. Accompagnée donc de sa petite perfo. Donc, on va être dans un thème un peu différent, très coloré, très peps. Et puis, je vais vous montrer ou vous faire découvrir ou redécouvrir une petite technique, vous allez voir. Alors, c'est parti, on y va. J'attrape mon coupe-papier. Voilà. Hop, je prends mes papiers, je prends la base de cartes. Voilà. Alors, comme d'habitude, après le live, vous pourrez accéder. Donc, il suffit de me demander le lien. Mais oui, ils sont toujours présents. En plus, Coucou Coccinelle, il existe toujours. Il est dans le catalogue annuel. Donc, ça serait dommage de les laisser de côté et de ne pas s'en servir quand même. Surtout quand on a des belles choses. Donc, vous aurez accès donc à la fiche technique qui sera disponible en téléchargement avec toutes les mesures, les schémas, etc., etc. Pour la base de carte, il vous faut un morceau qui mesure 30,5 par 15,2. Donc on est évidemment sur du papier 30-30. Je suis contente que ça vous plaise, Scrap de Doom, c'est chouette. Avec tout simplement un pli donc à la moitié, c'est-à-dire à 15,2. Donc là, si vous avez le coupe-papier Stampin' Up, vous avez juste à garder la règle fermée. Hop, vous placez dans la butée et vous savez que ce sera pile poil à la moitié. Donc là, voilà, on aura déjà notre base de cartes. Alors, je vais marquer le pli tout de suite. Coucou Marie-France, comment vas-tu? J'aime bien. Coucou Suzanne, j'aime bien lorsqu'on revient sur des anciens tampons pour des nouveaux projets. Mais oui, on peut adapter avec tout. C'est ça qui est chouette. Tu n'arrivais pas à te connecter, mais alors, qu'est-ce que c'est que ça? Alors du coup, ce que je vous ai demandé au début, peut-être que maintenant que le réseau fonctionne un peu mieux, vous pouvez le faire plus facilement, c'est-à-dire partager ce live pour que, ben, peut-être qu'il y a des personnes qui, comme Marie-France, n'arrivaient pas à se connecter et qui, grâce à vous, pourront nous rejoindre. Alors, cette base de cartes, elle est donc carrée. Je vais la laisser de côté pour l'instant. On continue à préparer le reste. Coucou Louise, comment ça va? Bienvenue, bienvenue. Donc, un morceau de papier blanc. En fait, ce morceau ira à l'intérieur de la carte et il mesure 28 par 14 cm. Eh bien, même principe, on fait un pli à la moitié, donc la moitié de 28, c'est-à-dire 14. Merci ma petite Cécilia, je sais que chaque semaine, tu partages systématiquement mon live, toi et d'autres aussi, mais vraiment c'est adorable. Merci ma petite Nathalie, j'espère que tu vas bien. Merci Claudine, vous êtes adorable, franchement c'est trop gentil. Mais c'est vrai en fait, hein, Facebook est un réseau social et du coup l'idée c'est de pouvoir tous partager ensemble et puis pouvoir eh bien, échanger tous ensemble. Tu n'as pas vu le début Marie-France? Regarde, je commence tout juste le projet et j'ai simplement parlé du fait qu'il me reste juste quelques petites trousses pour la trousse de survie d'adhésif. Donc, on a fait notre base et il nous reste juste des petites découpes à faire, mais vous allez voir à quel point c'est simple. Je suis contente que tu sois là, Nathalie, c'est chouette. Alors, l'idée, ça va être de décider dans un premier temps dans quel sens vous allez vouloir que cette partie s'ouvre. Je vous montre sur la carte ce morceau blanc, là.
c'est celui-ci. Donc vous voyez, j'ai fait en sorte qu'il s'ouvre de l'autre côté. D'accord? Hop. Comme ça s'ouvre des deux côtés. À vous de décider le sens. D'accord? Oui, oui, bien sûr, Marie-France. Alors, la base de carte. Coucou Caroline, comment ça va? Bienvenue. La base de carte, elle mesure 30,5 par 15,2 avec le pli à 15,2. 30,5, 15,2, pli à 15,2. Ça, c'est la base de carte. Et le papier blanc, 28 par 14 avec un pli à 14. Bien. Donc, c'est chouette, ça fait plaisir. Vous soyez là, Caroline. Est-ce que vous allez scraper en même temps? Donc, je vais prendre tout de suite mon papier blanc. Donc, vous décidez votre sens d'ouverture. Ok. Et là, on va simplement venir coller un morceau de papier à motif qui mesure 14 par 14. Si vous préférez réduire et mettre comme un matage, libre à vous, aucun problème, ça n'aura pas d'incidence sur le projet. Alors, je vais attraper mon stamp pencil. Je vais essayer, mais rien n'est sûr. Un brouillon si vous n'êtes pas sûre, Caroline. Ça sera un prototype. Nathalie, elle essaye aussi. Chouette. Voilà. Ça, vous l'aurez dans la trousse de secours. C'est vraiment super pratique. Puis au moins, on ne s'en met pas plein les doigts. Jocelyne, regarde et fais après. Oui, 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 ça, je le savais, Jocelyne. Hop, coucou Christine, comment ça va? Voilà, ça c'est fait, c'est cool, ça va tout seul. Je vais venir faire un tamponnage, mais je le ferai après parce que justement c'est là ce que je veux vous montrer. On attaque dans le vif du sujet avec la création donc de ces fameuses petites flèches. Donc, je vais ouvrir ma carte comme ceci. Ok, j'ai mon pli qui est là. Je prends un crayon, une règle et je viens... Pas de problème, ma petite Martine. J'ai pas toutes les lettres dans le bon sens. Alors, pour le réseau, Claudine, je suis sincèrement désolée. Je ne peux absolument rien faire de plus. Je peux pas. J'ai pas la main là-dessus. Donc, j'ai ma carte qui s'ouvre comme ça, d'accord? J'ai le pli ici. Je viens me faire une marque ici sur le bas. Alors, on vise bien à 7,6 centimètres. 7,6, la petite marque ici. Et l'idée, tout simplement, ça va être de venir couper en triangle. Alors, je vais le dessiner pour que ça puisse vous guider. Comme ceci. Je vais vous rapprocher après pour que vous voyez mieux. Hop. On s'arrête au niveau du pli. Ok. Coucou, ma petite Coco. Alors, on ne voit rien du tout, c'est magnifique. Donc, ma carte est maintenant fermée. J'ai ma petite marque qui est à 7,6 ici. Et donc, j'ai tracé, toc, et toc, mes lignes, ça fait un V. D'accord? Bien. Ça va le faire, Suzanne. Pas de panique. Et du coup, il suffit simplement de venir couper. Donc, c'est là que ma super lame, dans l'autre sens, ça sera vachement mieux harmonie. Là. Ma super lame intervient. Vous pouvez aussi le faire au coupe-papier. Hein. Sentez-vous à l'aise. Voilà. Et donc, je viens couper ici mon triangle. Si j'appuie pas, ça ne fait pas. Voilà, j'ai mon premier triangle. Surtout, on ne jette pas puisqu'on en a besoin. Et on fait pareil de l'autre côté. Hop, on vient couper en diagonale notre avant de carte. Tac. Voilà. Donc là, évidemment, on n'oublie pas d'effacer nos petites marques. Coucou Mumu, comment ça va ma biche? Hop. Voilà.
C'est trop cool, j'ai plein de filleules qui sont là le mercredi, c'est chouette, ça fait plaisir. J'adore ça. Hop, c'est bon, j'ai plus si j'en ai un petit peu là. Voilà. Hop, voilà, j'efface mes petites marques. Ok, on se retrouve du coup avec nos deux triangles et notre base de cartes qui est devenue comme ceci. Avant de continuer, je mets ça de côté. Hop, et je viens prendre maintenant le deuxième morceau de papier à motif qui lui aussi mesure 14 par 14. Donc là, j'ai des petits bourrelets ici. Toc, je les écrase avec mon plioir. Ok. Et nous allons faire exactement la même chose que ce qu'on vient de faire à l'instant avec, pardon, avec notre base de cartes. D'accord? En faisant une petite marque ici. Mais cette fois, ça sera évidemment à 7 cm puisque c'est la moitié de nos 14. Hop, 7. Je fais ma petite marque en bas. Et pareil, on va venir couper en diagonale. Coucou Marie-Christine, mais non, ne t'en fais pas, tout va bien. Mais je m'inquiétais, il n'y avait pas beaucoup de monde aujourd'hui. Pas alors. Hop, c'est parti. Et je viens couper en diagonale. Comme ça. Et pareil de l'autre côté. L'avantage de la lame, c'est qu'en plus, non seulement elle coupe bien, mais en plus elle est super fine. Donc, c'est vraiment très pratique. Je place bien ma lame à l'angle dans le coin là-bas. Comme ça, je peux caler ma règle dessus. Et hop, c'est nickel. Coucou Annie France, aucun problème, mais ça me fait plaisir que vous soyez là. C'est vraiment chouette. Moi, j'adore quand il y a du monde et que vous êtes là et qu'on peut être beaucoup à partager tout ça, c'est chouette. Vous savez que j'aime ça, partager les créations comme ça. Alors, hop, ça c'est fait. Si jamais vous voyez encore votre petite marque en bas, on n'oublie pas de l'effacer. Voilà. Et là, de nouveau, on se retrouve avec trois triangles. Bon, ça va être tout simple, vous allez voir. Je marque bien le pli ici. Toc. Ce papier-là va venir ici. Ça ressort super bien, vous avez vu? C'est super flashy, c'est chouette. Et du coup, mes autres triangles ici, eh bien, on va venir les décorer avec ce qui reste. Je n'arrive pas à accéder à l'ordi, alors sur le portable, c'est pas facile. Ah, bon, Annie. Annie France, pardon. L'essentiel, c'est que vous ayez réussi. Je vous félicite de ne pas avoir lâché et de ne pas avoir abandonné. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce live. Hop, voilà. On va venir coller chacun de ces morceaux sur leur triangle respectif. Et après, je vais vous montrer comment on va installer tout ça. J'avais pas vu qu'il y avait mon petit papier, comme c'est une colle neuve. Allez, hop. Là, je prends volontairement de la colle parce que j'aime bien, en fait, sur les parties pointues comme ça, réussir à mettre un petit peu de colle, hop, vraiment jusqu'au bout, parce que je trouve que c'est un peu disgracieux à chaque fois quand on a juste une pointe de papier qui n'est pas collée, qui se décolle. Oh, ça m'agace. Toc. Bon, on a chacune nos lubies, hein, je suis d'accord. Ok, je viens coller ça. Voilà. Hop. Et du coup, je continue avec le reste. Ça va, vous arrivez à suivre celles qui sont en train de scraper en même temps? Hop.
retourner. Je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. Là. C'est toujours le petit bout qui colle pas. Ben ouais, on est d'accord, Suzanne. Du coup, voilà, avec ma colle, j'essaye d'emmener la colle le plus loin possible au bout pour être sûre que cette fameuse petite pointe ne se relève pas. Oh, ben Nathalie, pourquoi t'as abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Voilà. Pour le montage, je vous propose de prendre à nouveau un crayon, surtout un crayon, et après votre gomme, vous allez voir. Toc, ça c'est ok. Écouter et me faire en même temps, c'est pas possible. Je comprends sans aucun problème. Je vais enlever ce tapis moche qui m'agace, dont je n'ai plus besoin. Voilà. Ah. Puis en plus, le rouge va ressortir drôlement mieux. Alors, je vais prendre ma carte comme ceci. Je vais prendre un premier triangle. D'accord. Et regardez, j'ouvre ici. L'idée, c'est de venir positionner ce triangle. Donc on ajuste la pointe à l'angle droit de la base de carte, d'accord, et on le tourne de telle manière à ce que l'autre pointe arrive au bord du bas de la carte. Si je vous montre, alors évidemment j'avoue que le rouge sur rouge bougeait pas, je sais ce que je vais faire, je vais mettre ça là comme ça. Voilà, donc là j'ai ma base de carte, d'accord? Toc. Donc, le triangle, la pointe ici va dans l'angle ici, et on s'assure que la pointe ici est bien au bord de du bas de la carte. Ok? C'est plus clair comme ça? Alors, c'est juste le positionnement pour l'instant. Ok? Je vais prendre le deuxième triangle. Je vous montre. No stress. La pointe ici, même principe. On vient la positionner toc, à l'angle ici. Et on s'assure donc que l'autre pointe sera cette fois ici, tout à fait au bord du bas, du haut de la carte. D'accord ? Donc, les deux pointes aux deux angles ici et là. Et le deux pointes ici au bord du haut de la base de carte et du bas de la base de carte. D'accord? Alors, pour vous aider à coller correctement, vous positionnez vos triangles comme ceci. Vous faites en sorte qu'ils ne bougent pas, donc vous les tenez. D'accord? Hop! On fait en sorte qu'ils soient bien là et là. Comme ça. Et du coup, vous prenez un crayon et vous venez faire un trait très léger sur le papier ici. Et là, pourquoi? Simplement pour vous guider sur l'endroit où vous allez devoir mettre de la colle. Alors, je retire celui-là. Oui, je sais, mais d'habitude, on a plus de monde que ça, Marie-Christine. Je pense que tout le monde profite des derniers jours de soleil. Voilà, c'est pour ça qu'on n'est pas beaucoup. Mais je sais que grâce à vous et à tous vos partages, eh bien ça, les gens regarderont probablement en replay. Alors, et du coup, comme j'ai su exactement où mettre ma colle grâce à mes petites marques, eh bien, je suis tranquille. Je sais que je peux repositionner tout ça. Alors, c'est vrai qu'il faut bien tenir, d'accord, parce qu'on ne veut pas que celui d'en dessous bouge, mais tout va bien. On procède avec, on prend son temps et on y va avec délicatesse et tout ira parfaitement bien.
Maintenant que les deux sont assemblés, on ne touche à rien. Toc. Et on vient rabattre le reste ici. Ok? Et du coup, comme tout est bien en place, je fais la même chose. Je prends mon petit crayon et je viens tracer juste une petite ligne que j'effacerai bien sûr après pour indiquer les endroits où je vais pouvoir mettre, oups, de la colle. Ok, je retire ça délicatement et du coup j'ai tous les emplacements ici de là où je peux et où je dois du coup mettre de la colle sans avoir le risque, hop, d'en mettre partout et d'en mettre surtout là où il faut pas. Voyez-vous? Voilà, ça nous permet de nous guider tranquillement. Donc avant de refermer, on ajuste là où c'est nécessaire, tranquillement. Voilà. Et là, je peux rabattre délicatement et faire en sorte que la colle prenne bien nos papiers. Donc vraiment, on prend le temps de décortiquer chaque étape, les trois étages des triangles. On se fait nos petites marques tranquilles sur le papier pour être sûr de ne pas se tromper et savoir exactement où est-ce qu'on doit coller. Pas. Exactement, ma petite Fafa, t'as vu, c'est même pas du pliage. Et après, on n'oublie pas d'effacer nos petites marques de crayon. C'est très très facile à faire. Hop, et voilà. Tout bêtement, tout en zénitude avec harmonie, ça c'est gentil Suzanne. Mais oui, dans ce genre d'opération qui est très simple en soi, je sais qu'on peut vite paniquer. Donc c'est pour ça que j'essaye d'être calme et de vous décortiquer chaque étape pour que vous ne vous sentiez pas submergé. Voilà. Et du coup, regardez, c'est chouette, hein? Si je l'ouvre complètement, vous voyez, voilà. Zéro pliage, plein de couleurs et une forme super originale. Oui, tu peux sans problème, Claudine, il faut simplement modifier un petit peu les mesures, tout bêtement. L'idée, en fait, c'est de retirer à peu près 0,5 ou 1 cm du papier design et puis faire les marques à la moitié des papiers carrés à chaque fois, tout simplement. Il faut prendre son temps, très bonne explication. Merci Martine, c'est chouette. Alors, on continue. On avait donc notre base de cartes intérieure ici. Donc, elle viendra se coller ici, mais je vais lui mettre un petit tamponnage à l'intérieur avant. Donc, du coup, ça va ressortir. Vous avez vu, c'est un papier de Noël, mais du coup, il peut correspondre à plein de choses. Il est hyper polyvalent. Donc à l'intérieur, ce que je vais utiliser, je vous montre ça tout de suite, sur le modèle original, bravo Marie-France! Je vais réutiliser ce sentiment ici, mais. Merci Mumu. Hop, il est là. Livraison, etc. Je vais le faire de plusieurs couleurs pour rester en fait dans le thème du papier. Donc j'ai pris les différents feutres à eau qui correspondent à la collection. Donc on a bleuet des bois, calico coquelicot, limonade à la limette, mélodie de mangue, carimoulu, sapin ombragé et flamant fougueux. Je crois que je les ai pas tous pris, mais presque. Il doit manquer grenouille guirette et piscine partie. Et du coup, je vais juste m'amuser avec mes Stampin' Write, à déposer l'encre dessus de façon complètement aléatoire dans les couleurs. Vraiment, il n'y a pas d'importance puisque de toute façon, toutes les couleurs là, elles font partie de la collection. Donc, pas de prise de tête. Juste, je viens mettre des couleurs aléatoires sur mon sentiment. Voilà, pour donner un peu plus de peps à mon sentiment, qui va vraiment correspondre eh bien, au papier. Voilà.
C'est vraiment l'avantage avec nos produits, c'est comme ils sont tous coordonnés, pouf, on n'a plus qu'à choisir les papiers, les couleurs qui sont indiquées au dos du papier et on est tranquille. On sait que forcément ça ira avec. Donc on n'oublie pas avec cette technique-là des feutres sur le tampon, c'est toujours, toujours, toujours les feutres, les Stampin' Write, les feutres à eau. Attention à ne jamais utiliser les feutres à alcool sur vos tampons, sinon ils seraient tachés. C'est très important d'y faire attention. Hop, un peu de verre ici. Je vais remettre. Voilà. J'y vais vraiment au petit bonheur la chance. Zéro calcul. Je prends les crayons au fur et à mesure. J'ai pas d'inquiétude à avoir, je sais que de toute façon, ça va matcher forcément. Hop, voilà, et du coup, ça va habiller mon tamponnage. Et c'est parti pour le show. Tac, et je viens poser ça ici. Alors, je sais qu'il y en a parmi vous qui connaissaient déjà cette technique, mais peut-être qu'il y en a qui vont la découvrir. Et ça, c'est sympa aussi. Et voilà, c'est magique. Les amis, on a un super tamponnage de plein de couleurs. C'est pas trop beau, ça? C'est pas super gai? Ouais, on est d'accord. Bien, du coup, je vais venir coller ça ici à l'intérieur. Voilà, c'est vraiment une carte pleine de soleil, pleine de joie, pleine de couleurs. Hop, voilà. Ah oui, bien sûr, Jocelyne, pas de problème. Alors, le set de tampons, c'est celui-ci, avec affection. Et donc, j'ai pris celui-là. De toute façon, sur le lien que je vais vous transmettre après, vous aurez accès à tous les produits que j'aurai utilisés. Ça vous plaît? Ah, c'est chouette. Coucou Annelise, j'avais pas vu que tu étais là. Comment vas-tu? Voilà. Toc, regardez. Du coup, c'est très coloré, très peps. On a là un super sentiment et on a plein de place pour écrire un message, donc ça c'est vraiment trop cool. Et du coup, pour la déco ici, je vous ai dit que j'avais utilisé ça. Eh bien, première chose, j'ai tamponné et découpé au ciseau donc la grande feuille ici que j'ai tamponné en limonade à la limette, bien sûr, c'est la couleur qui est là. Toc. Donc nos problèmes pour les couleurs et j'ai tamponné et découper ma petite coccinelle. Donc pour celle-ci, c'est chouette parce qu'on a la perfo coordonnée. Du coup, je vais assembler ma petite coccinelle avec ses petites ailes. Donc le rouge, c'est le calico coquelicot. Oula, je fais des cochonneries. Voilà. Toc, j'ai plus qu'à lui poser ses petites ailes ici. Nickel. Tant que le papier prend, je vais attraper mes dimensionnelles qui sont là. Merci Nicole, c'est trop cool. À mettre de côté pour mon fiston, une idée de plus. Ah, ça me fait plaisir ça. Toc. Je vais prendre donc des petites dimensionnelles pour venir coller en 3D ma coccinelle. Toc. Alors avant, je vais voir dans quel sens je vais la mettre. Voilà, je vais peut-être centrer un peu plus ici. Voilà, c'est très coloré, c'est très sympa tout ça. Alors, c'est parti, je colle la feuille. Tac. Et tout bêtement, je n'ai plus qu'à coller. Ouais, ça aussi c'est magique, hein.
La pointe est tellement fine, du coup on enlève l'opercule super facilement. Et c'est parti, mon kiki. Toc. Voilà. Et ben voilà, ça y est, elle est faite notre carte. Elle n'est pas trop trop belle. Alors, c'est vraiment beaucoup plus flashy que la première version, hein, on est d'accord. Mais c'est ça qui est cool. Donc, n'oubliez pas, hein, ça c'est toujours dispo. Voilà. Et voilà la deuxième version. On a fleurs irrésistibles ici, Noël en couleur et coucou coccinelle pour la deuxième. Et on a appris, eh bien, à faire un joli tamponnage de plein de couleurs qui correspond parfaitement à ce qu'on vient de faire. Coucou Maya, comment ça va? C'est super gentil. Merci Eliane, ça me fait plaisir. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que c'est mignon, j'adore, c'est gentil, Suzanne. Qu'est-ce que t'as mis comme... Ah, j'avais pas vu Marie-France. Voilà notre belle carte. Tiens, je suis curieuse, avant qu'on se quitte, c'est quoi? Mettez un pour fleurs irrésistibles et deux pour Noël en couleur, pour votre préféré. Un fleur irrésistible et deux Noël en couleur. Merci Fafa. C'est chouette, hein? C'est super simple, vous voyez, c'est vraiment super simple. Alors Martine, elle préfère la deuxième. Cécilia, Mumu, pareil. Je pense que c'est une carte que je referai avec plaisir. Scrap de Doom, il faudra montrer avec plaisir. Jocelyne, les deux. Eliane, la deux. Nathalie, la une. Fabienne, la une, mais de justesse. Maugre, la une. Viviane, les deux. Waouh. Muriel, coucou. Muriel de Villiers, je vous avais pas vu. La deux aussi. Marie-France, les deux. Coucou, ma petite Sophie. J'avais pas vu que tu étais là. La deux aussi. Marie-Christine, la deux. Nicole, les deux. Annelise, les deux. Martine, le père, la une. Nicole, les deux. C'est dur de choisir. La deuxième, mais trop bien, la une. C'est super. Christine, la deux. Bon, je crois que malgré tout, la deuxième a quand même votre préférence. C'est vrai que le fait de retrouver nos petites coccinelles et puis d'avoir autant de couleurs là, ça fait du bien au moral. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Bon, et ben voilà, je suis vraiment très contente. Elles sont bien différentes, exactement, Eliane, mais c'est ça qu'on aime bien, hein. C'est justement que avec tous nos papiers, on peut faire des styles. On a besoin de peps, tu m'étonnes, Martine. On peut faire des styles complètement différents et c'est ça qui est vraiment super sympa. J'ai adoré vous proposer cette carte. Vous avez vu, elle est très très facile. Quel que soit votre niveau de scrap, vous pouvez sans problème la réaliser. Si vous voulez obtenir donc la fiche technique à télécharger, le replay, il suffit simplement de me le demander en commentaire ou en MP et je vous envoie ça. Vous verrez, ça va être très simple. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour pouvoir la faire et la refaire. N'oubliez pas qu'il me reste très très peu de ces petites trousses de survie spéciales adhésives. Donc c'est pareil, demandez-moi le lien pour vous inscrire. Vite, 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 ne tardez pas, j'en ai très très peu qui me reste. Et en tout cas, je vous remercie du fond du cœur. Je vais aller finir de préparer tout ça pour que vous ayez tout sous la main pour la refaire. Et puis, petite indiscrétion, je vais retrouver mes collègues pour une réunion de leaders. Donc, on va retrouver notre responsable Rose et puis essayer de travailler ensemble. Et on est contente de se retrouver. J'ai vraiment hâte de retrouver les copines. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à faire un tour sur ma page. Il y a plein de nouvelles inspirations qui vont arriver jusqu'à cette fin de semaine. Et puis aussi la présentation du prochain projet en live. Il est prêt. Oui, Marie-Christine, pas de souci. Promis, Mumu, je ferai un bisou aux filles de ta part. Il n'y a pas de souci.
Et donc rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau live. Rendez-vous aussi mardi prochain à 11h30 en Zoom pour celles qui ont envie de venir me poser des petites questions. Parce que j'ai cru entendre dire qu'à partir du 3 octobre, il y avait une super méga promo pour devenir démo. Parce que Stampin' Up! Web, c'est 35 ans. Et du coup, ils font un truc de dingue. Vraiment, voilà, c'est le moment là au mois d'octobre de rejoindre les Stamp Lovers, mon équipe, parce qu'ils font une promo incroyable. Vous avez le choix entre deux trucs en plus, c'est incroyable, incroyable. J'ai vraiment envie de vous découvrir et de vous accueillir dans mon équipe. Donc d'ici là, venez me poser des questions, on en parle ensemble. Et puis moi, en attendant, je vous fais plein, 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 plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao!